Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce 13h. Au sommaire, écoliers, élèves et enseignants ont repris hier le chemin des classes sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance de la rentrée dans certaines écoles de la commune d'Aboum et Calavi. À la fin du programme Vacances Guidjo sur Eden TV et Diaspora FM, les participants ont reçu hier leurs attestations. Le point est à suivre dans ce journal hors de nos frontières au Tchad. 19 personnes sont mortes lors des combats entre éleveurs et cultivateurs au sud du pays. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de votre fidélité. La reprise des classes annoncée pour ce lundi 19 septembre est effective dans la commune d'Aboum et Calavi, notamment dans les écoles primaires publiques Zunja 1 et Gbojo. Laurent Toniques est allé faire le constat suivant ce reportage. Lundi 19 septembre 2022, enseignants et élèves ont retrouvé le chemin des écoles. Le grand nombre a répondu à l'appel de la reprise des classes pour l'année scolaire 2022-2023, même les plus petits du cours d'initiation qui ont déjà démarré la phase d'immersion. Le directeur des groupes A et B de l'école primaire publique Bodjo dans la commune d'Aboum et Calavi nous font le point de la matinée de ce premier jour. Disons que chez nous, la reprise a été effective à partir de 7h45 déjà. Il y avait la présence des élèves, des enseignants et de quelques parents. La semaine dernière était prévue pour la pré-rentrée. C'est une semaine qu'on devait utiliser en principe pour les inscriptions, les admissions des élèves. Mais il s'est fait que, vous connaissez nos parents, ils ne sont pas sortis et c'est ce matin ils nous ont envahis encore. Donc on a fait de sorte qu'on a pris un créneau d'abord pour les accueillir, faire les inscriptions des derniers cas là. Après les dernières inscriptions faites ce jour, les élèves ont été soumis aux évaluations diagnostiques comme prévu dans le chronogramme établi par le gouvernement. Les élèves comme Rosette Ruto sont contents de reprendre. On a commencé la classe de CM2. Je suis très content pour commencer. Je suis très content pour commencer pour avoir mon CP cette année. Je promets à mes parents que je peux bien travailler pour aller au CP. Le compte à rebours est donc lancé pour 9 mois de dur labeur pour, au finish, lire sur les visages les pleurs ou les joies selon les efforts fournis par les uns et les autres. L'édition 2022 du programme Vacances Guidjo a connu son épilogue le jeudi dernier sur les deux médias du groupe de presse international ITVSA, Eden TV et Diaspora FM. La cérémonie de remise d'attestation aux participants a eu lieu hier au siège du dit groupe à la Fondation Espace Afrique Sievra de Glo Djigbé en présence du directeur général d'Onclam Abalo. Compte rendu, Mouril Arnaud Agua. Terminus. Les stagiaires de Vacances Guidjo édition 2022 descendent. Ils ont reçu leur attestation de fin de stage ce lundi. Le directeur général du groupe de presse a salué l'intérêt porté aux deux médias. Je voudrais vous remercier pour votre intérêt pour Eden TV et Diaspora FM. Je veux espérer que le temps que vous avez passé ici a pu vous convaincre davantage que ce métier est un métier que vous pouvez faire sans vous casser la tête. C'est une question de volonté d'abord. Et avec la volonté, on peut arriver à surmonter toutes les difficultés. Donc, avoir conduit ce programme à terme est une réussite pour l'équipe de coordination, une fierté pour toute l'administration de Eden TV Diaspora FM. Pour finir, je vais vous dire que nos portes restent ouvertes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai la certitude que vous avez tissé des liens
qui peuvent vous permettre de revenir, de poser des questions, de continuer à être curieux. Toujours si dans votre tête, quelque part, vous avez choisi vraiment de faire ce métier. À sa suite, le coordonnateur du programme Vacances Guidjo a salué l'implication particulière des stagiaires dans la réussite du dit programme. Pour moi, c'est un honneur de conduire ce type de programme parce que je n'ai pas eu la chance de faire une école de journalisme ou d'animation. Je suis entré dans le milieu au travers de ce genre de programme. Alors, pour ce qui est de Vacances Guidjo, la première édition, donc sous cette dénomination, a eu lieu l'année dernière, sous une autre forme, différente de celle qu'a revêti le programme cette année. Et il faut reconnaître que l'édition de cette année a été meilleure par rapport à celle de l'année précédente, pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est que, disons qu'il y a eu plus d'accompagnement déjà, point de vue logistique, la maison, l'administration, la production et tout ce qui tourne autour. Il y a eu un peu plus de motivation aussi au niveau des jeunes, des participants par rapport à l'année passée. Les participants ont assimilé vaille que vaille les notions qu'on a pu leur inculquer. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on parle dans le vent, comme j'aime bien le dire, mais au final, on est satisfait. Aferik Kemal Awissou, représentant des stagiaires de Vacances Guidjo édition 2022, est revenu dans son intervention sur les acquis de cette expérience faite grâce à Eden TV. Au nom de mes amis, au nom de mes collègues, Vacances Guidjo fut une belle expérience parce qu'on a beaucoup appris. On a appris les rouages du métier d'animateur, on a appris comment écrire des conducteurs pour nos diverses prestations, pour nos divers numéros. On a appris à comment gérer une scène, comment gérer un plateau, comment tenir en haleine les auditeurs, les téléspectateurs. On a eu beaucoup d'acquis et je remercie M. Donklam Abalo. Nous remercions également notre coordonnateur, M. Ahmed Arekpa. Je suis sûr, et mes amis le diront, nous sortons grandis de cette expérience. Que fut Vacances Guidjo? Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Vacances Guidjo sur Eden TV et Diaspora FM. À quelques heures du démarrage effectif de la rentrée scolaire au Bénin, le ministre des Enseignements maternels et primaires s'est adressé aux parents d'élèves et aux enseignants. Suivez ici un extrait de ses propos. Chers parents d'élèves, point n'est besoin de vous apprendre ce qui relève de vos devoirs vis-à-vis de votre progéniture inscrite à l'école. Vous le savez mieux que quiconque. Cependant, je voudrais me permettre de vous rappeler quelques-uns. La mise à disposition d'un minimum de fournitures pour leur permettre de développer les compétences attendues d'eux. Les contacts périodiques avec leurs enseignants qui vous permettront de vous assurer de leur présence effective au cours et du sérieux dont ils font montre dans leurs apprentissages. Et l'assurance d'une alimentation saine et équilibrée, gage d'une bonne santé mentale et physique. Quant à vous, chers enseignants, le métier que vous avez choisi ou que vous exercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. Soyez donc fiers d'être l'artisan qui, dans sa moule, façonne le constructeur, le développeur et le protecteur de l'immortalité. Cela n'a pas de prix. Certes, vous avez besoin du minimum vital pour accomplir votre mission dans de bonnes conditions. L'État en est conscient et s'y emploie. À l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez bien.
je vous sais capable de donner le meilleur de vous-même, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure école de la sous-région. Découverte à présent, l'Ubuntu est un jeu de claquettes qui développe l'habileté et l'intelligence chez les pratiquantes. Pratiqué depuis de longues années au Bénin, dans les rues et dans les cours des écoles pendant des récréations, ce jeu est désormais placé aux oubliettes. Mais depuis quelques années, l'association Ubuntu Sport a donc décidé de faire renaître l'Ubuntu de ses cendres pour éviter sa disparition au profit d'autres disciplines venues d'ailleurs. Suivez ce reportage de Clémence Tonoukoua. Les claquements rythmés de mai sont une caractéristique principale du jeu de claquettes appelé Ubuntu. C'est une catégorie de jeu traditionnel très prisée par les filles au Bénin. Il se pratique surtout dans les écoles et collèges publics du Bénin. Je peux présenter le jeu Ubuntu comme un jeu traditionnel. C'est considéré comme un jeu féminin parce que c'est bien que les femmes qui pratiquent ce jeu ici. Le jeu Ubuntu est d'abord un jeu d'opposition et ou de coopération parce qu'il n'y a pas de contact. Le Ubuntu, c'est un jeu. Et dans ce jeu, nous disons que c'est un fair play. Qui a un perdant et un gagnant. Donc, dans ce jeu, il y a beaucoup d'animations qui accompagnent ce jeu. Des chants et le fait de jouer avec les mains pour que ça donne quelque chose de bien. Dans les collèges, plus précisément dans les collèges publics, on a les filles, surtout les filles, ont cette ambition de pouvoir jouer quand il n'y a pas les cours. Mais même en dehors des cours, on s'invite à la maison et puis on pratique ce jeu. La pratique du jeu Ubuntu comporte trois parties non dissociables. La partie folklorique où les joueuses chantent en rythme et claquent les mains. Après cette partie, nous avons la partie où elles doivent sortir le pied, qui est la partie d'enjeu, où elles sortent le pied au même moment. Et après cela, la partie folklorique revient. Où elle continue pas à jouer. Alors, cette partie folklorique est avant et après la partie d'enjeu. Si vous ne chantez pas pendant le jeu, ce n'est plus intéressant. Donc, il faudrait que vous chantez, que vous claquez bien les mains pour permettre. Et ça motive toute l'équipe, et même l'équipe adverse. Ce jeu, longtemps perçu comme un jeu d'enfance, est devenu aujourd'hui une discipline sportive complète et se joue en équipe. Il se joue en 25 minutes x 2. Ça se fait avec une équipe de 11 personnes ou 10. Et ça se fait sur un terrain délimité par des bandes. Nous avons des bandes rouges et des bandes jaunes. Alors, la bande rouge est placée au milieu du terrain rectangulaire et les bandes jaunes sont placées de part et d'autre pour permettre aux joueuses de se placer face à face en ligne droite qui leur permet de faire le jeu. Au début, vous choisissez à partir de check que l'arbitre fait avec la pièce, vous choisissez un signe, moins ou plus. Le signe plus signifie même pied pour les deux athlètes. Et le signe moins signifie pied différent. Quand vous jouez et que votre adversaire sort votre signe, c'est-à-dire plus même pied, alors vous continuez pas à jouer à ses coéquipiers, aux membres de l'équipe adverse. Et s'il arrivait que vous sortez le pied et que c'est le signe de l'adversaire qui sort, alors vous arrêtez et une autre personne continue dans votre équipe. Quand une seule personne, c'est-à-dire la même joueuse, joue à la moitié de l'autre équipe, plus un, ça donne chaos. L'association béninoise dénommée Ubuntu Sport organise depuis quelques années des Olympiades de Ubuntu pour sauvegarder ce jeu très ancien en voie de disparition.
Hors de nos frontières à présent, 19 personnes ont été tuées en 2 jours d'affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Le pays est régulièrement en proie à des conflits meurtriers entre ses communautés nomades et sédentaires. Ces violences entre communautés se produisent dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Elles opposent généralement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Les nomades viennent généralement des zones arides sahéliennes du nord du Tchad et cherchent à se sédentariser sur des terres plus fertiles et propices à l'élevage de leurs dromadaires et moutons. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'application est téléchargeable sur Play Store ou App Store. Et l'information se poursuit également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter. Et sur notre site internet à www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.